Bonsoir madame, ici, merci de suivre sa zone là, nous guettons titre. La fête du printemps célébrée en sa 10 février, nouvelle année chinoise placée sous signe dragon de bois, sa symbole évoque croissance et persévérance. Nous amenons dans sa édition là dans Pagode Kwanti, à côté Kuma Tradition, beaucoup d'immun, beaucoup de familles sino-mauriciennes, tiré une grammaire, une équipe rédaction, tiré aussi côté la famille Taiki pour premier des aînés pour sa première zoo dans calendrier chinois. Nous cause la santé, trois chirurgiens étrangers actuellement dans Maurice pour faire ce service au traitement des bonnes enfants qui n'ont pas de malformation maxillofaciale et que bonnes patients qui finissent cancer. Et que Deo Azo dit ban astronaute depuis SpaceX fin retourne l'eau la Terre après une mission 3 semaines, l'eau ISS. Madame, messieurs, bienvenue dans sa zone là. Tout d'abord, bonne année du printemps à toute la communauté chinoise qui peut fêter l'année Dragon d'Ibois. Toujours spectaculaire et symbolique, une célébration Nouvel An chinois peut faire à travers le pays. Sa semaine-là fin marquée par plusieurs festivités haut en couleur et en sa samedi-là, la fête du printemps s'est célébrée dans la joie. Nous souhaitons à nos bonnes compatriotes plein succès et bonheur alors qu'ils nous peut entamer une nouvelle année. Placé sous signe dragon, l'animal est une grande signification. Ça signe là les synonymes victoire, bonheur et prospérité. We'll be right back.
Ça, 10 février marque premier jour, un nouveau calendrier chinois. Lapin qui finit tient sa révérence pour faire place à l'année dragon. Selon ban horoscope, dragon il a une grande signification. Ça signale les synonymes victoire, bonheur et prospérité. Comme à la tradition, chaque année, en Copa Good Quanti, fin accueillir ban centaines fidèles grand matin, ban sino-mauricien fin vin en grand nombre pour rendre hommage à ban ancêtre. Ainsi, pour prendre bénédiction Quanti. Pour premier jour l'année, ban chinois de tal pagode, là que de prier Gaye Guandi, un personnage historique qui vénérait pour sa ban victoire militaire. Guandi les considérait comme un saint patron ban chinois. Nous venons justement rendre hommage à Guandi. Toujours un peu bénédiction pour la nouvelle année et tout. Priez pour la santé, bonheur, prospérité. D'après ban l'écriture, la fumée qui sortit depuis ban bateau l'encens lui crée un lien avec Bondier. Et que l'encens là, quand il brille, lui amène bonheur. Nous commençons la prière et le premier jour de nouvel an avec la prière dans tous les pagodes qui nous allaient. Et c'est pour rendre grâce d'ancêtre et ban Dieu. Une pagode, Quanti. Elle a fini faire un bénéfice pour nous, avec la famille. Après, tu allais une fois déjeuner avec la famille. Pour ban offrande, et na pomme qui représente la santé, orange, prospérité, et ban gâteau pour l'on éviter. Mon nez en signe des dragons, et mon horoscope un dragon. Ça signe des dragons là, pour amener prospérité, bonheur pour toute la famille. Et même le monde entier. Dragon lit toujours au cœur ban célébration dans la communauté chinoise. Et que cette année-là, en complice, parce que cette année-là, c'est sous signe dragon du bois. Il amène sens et crises. La communauté chinoise à travers le monde célébrait en sa 10 février un nouvel an qui est la fête du printemps et premier jour, premier mois, calendrier linéaire. Il y a qu'il y a ça l'année-là sous signe, dragon, des bois, ça élément-là, il symbolise vitalité, croissance, mais aussi la bienveillance et persévérance originaire, bien sûr, depuis la Chine. Sa célébration-là, elle est associée à ban tradition. Et ben la prière pour honorer ben grands-parents pour cette contribution à sa époque là et la culture chinoise à travers le monde, y compris également dans Maurice. À côté de sa fête là, lui occupe une place importante pour cet aspect hautement symbolique. Fête du printemps, c'est une célébration bien ancienne qui marque transition entre la période hivernale et l'arrivée soleil. Son origine remonte au nord de la Chine. À Maurice, sa fête-là est considérée comme une fête nationale que ban rituel chinois est pratiqué par ban sino-mauricien. Ban hommage associé à la prière ou honneur ban ancêtre. Nous servis poulet comme tradition, poulet entier avec poisson, du poisson et de la viande. Là, nous faisons, au fait, c'est un appétit, bon, nous faisons un service, nous allons sandales, nous rendons hommage, nous rendons recette, nous invitons, vin partage la nourriture. Calendrier chinois basé au calendrier lunaire, il est connu pour ce ban 12 signes astrologiques. Chacun représente un trait de caractère différent avec une dimension spirituelle associée à une prédiction pour Nouvel An. Cette année-là, l'arrivée dragon du bois fut dignement accueillie dans un foyer chinois. L'année du dragon connaît la communauté chinoise partout à travers le monde et aussi à l'île Maurice. Nous tenons une pensée un peu plus spéciale, surtout pour l'année du dragon. Dans ces 12 animaux-là, le dragon, il veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut apporter nous beaucoup de bonheur, prospérité et surtout la santé. Pour sa zène-là, rapprochement familial est important selon tradition. Sinon, fête du printemps, il peut perdre ce sens.
l'événement le plus important dans le calendrier lunaire. Et écoute, nous prenons 7 jours de congé normalement en Chine. C'est pour ça que nous trouvons à Maurice, nous prenons 3 à 7 jours de congé. Écoute, nous partageons beaucoup de temps avec la famille. Écoute, Tujimun égale, premièrement, dans la tradition chinoise, nous respectons nos bonnes vieilles personnes. De l'autre côté du monde, installée au Canada depuis plus de 20 ans, Patricia peut préparer un plat succulent et une douceur traditionnelle pour réunir la famille. Chaque année, nous gardons la même tradition, la même culture qui, depuis mon enfance, depuis avec mes grands-parents, qui nous prépare beaucoup de plats, qui signifie beaucoup de choses sur la table. Alors, même rendu ici, nous faisons pareil chaque année pour montrer nos bons enfants, nos petits enfants, les traditions chinoises. Comme chez Pak Choi, je profite de l'occasion pour souhaiter bonne année à la famille et à toutes les amies à l'île Maurice. Dans la Chine, durant fête du printemps, nombre de déplacements fin atteindre un nouveau pic depuis les 10 derniers. Transport aérien fin enregistrer un nombre record de près de 1,9 million passagers. Plusieurs festivités fin organisées dans la Chine pour accueillir un nouvel an chinois, dont gala fête du printemps qui tient lieu hier soir à Pékin. Un événement spectaculaire qui finit attirer l'attention les mondes entiers. Ma famille sino-mauricienne finit réunir à Zodi à midi pour un repas après la prière. Grand matin, tient un grand moment la joie et bonheur. Résistez-moi, nous l'équipe, t'écoute la famille Taiki dans Rosil, à nous guetter sa reportage. Après la prière grand matin à la pagode, beaucoup de familles chinoises finent rassembler autour d'un repas spécial. C'est un premier repas en ce premier jour du calendrier chinois. Haricots rouges, ils symbolisent la chance et la fortune. C'est l'année d'année spéciale pour la famille Taiki. David, fils aîné de la famille, finit venir se battre famille à Maurice pour célébrer la fête du printemps. Pour moi, c'est une grande joie aujourd'hui, je trouve, pour mes enfants devant moi. Un moment de joie entre mère et fils. Et à cause de l'année un peu spéciale, à cause de l'année du dragon, nous fait un nouvel voyage pour Maurice. Mais nous sortons Melbourne, nous allons à Perth, et depuis Perth, nous allons voyager pour Maurice. Et bien content, depuis que nous avons longtemps, nous trouvons la famille du salon, une occasion joyeuse pour rencontrer tout le monde. Après ça, fin distribuer l'enveloppe rouge qui appelle Fong Pao, qui contient l'argent. Donc, c'est une occasion pour nous tous rassembler, nous get together, nous partager un repas et que juste renouer les liens familiales. Célébration Nouvel An chinois, il placé sa l'année-là sous le signe Dragon du Bois, qui fait abonner à Ban Tipti et Ban Grand. Et dans le cadre de la fête du printemps, nous découvrons à soir sa folklore qui est la culture chinoise traditionnelle, c'est-à-dire danse du lion au rythme ban cymbale, tambour et gong, ban danser transformé en lion, zotal dans ban larik, ban koumès, sa pratique-là, selon la tradition, apporte sens, réussite et que ça se ban mauvais esprit. Nous écoutons à un membre du groupe qui s'appelle Julien Vialop. À deux personnes, ça veut dire un djimoun la tête et un djimoun la queue. Et je faisais synchroniser des fois pour une acrobatie qu'ils ont fait. Et que la tête là, lui-même qui contrôle ce lisier, ce oreille. Devant là, il faisait sauter, derrière là, les vlis. Côte parfois, ils faisaient sauter ensemble pour traverser la rivière. Mais il y a une histoire qui trouve derrière ça. Et des fois, les larves tout libres montent l'eau sur la tête. Monte les épaules, il demande beaucoup de communication entre ça et là parce qu'il demande tous les deux autres viennent seuls. Ben, ça dépend de
étape qui vous traverser, quand il vous a guetté, il bat ce lisier, quand il vous a ouvert sur la bouche, il contrôle avec ce lame et tout. Et aussi, il y a une expression qui paraît comme un djumounena, la joie, il montre quand il est joyeux, tristesse, il est capable de montrer quand il est triste, et que si, quand il perd aussi, il est capable de faire des bonnes affaires là. Dans le site également, nous avons dit, trois chirurgiens d'épidéo qui, dans Maurice, ont pu faire un bon service à ministère de la Santé et bien-être. Ce bon service-là, ont causé le traitement des bons enfants qui ont une bonne malformation maxillofaciale et des bons patients qui souffrent de cancer. Bon professeur Chandra Balaji et Sudan Raj Finena, une rencontre avec le ministre Kailesh Jagatpal, grand matin dans New Cancer Center, l'occasion pour sa main professionnelle, la santé, portant de connaissances et expériences dans le domaine de la lutte contre cancer. C'est dans l'hôpital Victoria à Candos qu'il y a trois chirurgiens étrangers, le professeur Balaji, Sundaraj et Chandra, a pu faire gratuitement une opération chirurgicale. Pour ça, vous pouvez bénéficier de l'aide personnelle médicale locale. La plupart des patients ont une malformation maxillofaciale. Nous avons environ 80 patients. Là-dedans, nous avons sélecté environ une douzaine de patients qui peuvent opérer. Il y a une partie des enfants qui sont nés avec une malformation complexe du visage et du cou. Et aussi, nous avons un adulte qui a une tumeur du visage et de la bouche. Puis bonheur dans la matinée, c'est l'équipe chirurgien étranger qui est dans New Cancer Center à Solferino. Je tiens un rendez-vous avec le ministre de la Santé, Dr Kailesh Jagatpal, qui fait une cause de sa priorité pour améliorer le service de santé à Maurice. Docteur Sundaraj, pour guider nous, comment nous, à Maurice, nous capables de développer une plateforme qui nous capable de faciliter Endymoun jusqu'à ce qu'il nous arrive ce diagnostic. Comment nous faisons nous ben médecins plus capables de reconnaître ben potentiel cas de oral cancer et que ça permette, bien sûr, si vous gagnez plus au début, c'est ce qu'ils nous appellent early detection, c'est sûr que les patients sont capables de gagner une meilleure santé dans l'avenir. Professeur Subramanian Balaji, chirurgien buccal et maxillofacial depuis Chennai, dit qu'il passe par trois étapes pour traiter le cancer. Concernant le cancer à la bouche, première étape, c'est diagnostic précoce. Deuxième, c'est prévention. Et troisième, l'application de traitement plus récent. De ce côté, professeur Lakshmiya Sundaraj, docteur spécialiste dans chirurgie de la tête et clicou et qui sortit depuis le Royaume-Uni, recommande une approche intégrée pour lutter contre cancer. Au moindre signe inhabituel au niveau de la bouche, médecin ou dentiste, bien référer patient là à un hôpital. Ben résultat, ben l'examen, bien gagné dans 15 jours. Délai pour un diagnostic précis, c'est 31 jours. Dirait sa traitement-là, bisin 70 jours. Présence à ban chirurgien étranger, lui donne grand aide pour ban patient qui bisin suivre un long traitement qui coûte cher. Nouvelle de Ostella ban 4 membres, l'équipage Axiom Space AX3, mission qui s'est lancée le mois dernier depuis Kennedy Space Center, fin retourne sur la Terre, lors la côte de la place d'Etona, dans même capsule SpaceX qui s'est lancée mission l'équipage et dans 3 semaines depuis Kennedy Space Center, se tient là-bas pour une mission commerciale. Nous retournons dans Maurice Astella, l'étang, nous cause ma nouvelle banniance qui sortit depuis l'Est, puis influence l'étang local. Prévision Astella pour une banniance pendant la nuit et demain, grand matin avec banaverse. Banaverse pour modérer intensité avec ban moment avec risque d'orage. Pour une également brouillard dans certains endroits. Température minimale varie entre 21 et 23 degrés au plateau et entre 25 et 27 degrés au la côte. Pour une banaverse qui peut venir graduellement demain après-midi. Température maximale pouvant y entre 25 et 27 degrés l'eau terre et quand 30 et 33 degrés l'eau littoral, divan secteur est 20 à 30 km par heure avec ban rafale 60 km par heure. La mer pour faux de la ban récif avec ban vague l'eau 2,50 m sorti en haute mer déconseillé et marée pour haute demain 10h19 et 14h03 li pour bas 20h05 et demain 8h23 soleil inal coussé 18h49 et demain soleil pour lever 5h58.
Madame, ici, sa zone a la fini ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée surtout. Passez un bon week-end. Au revoir.